La République démocratique du Congo qui assure la présidence tournante de la communauté des développements de l'Afrique australe organise du 7 au 11 novembre la réunion annuelle conjointe des ministres de la Santé et des ministres chargés des luttes contre le VIH-Sida de la SADC. C'est le secrétaire général intérimaire à la santé de la RDC qui a lancé ces activités qui auront pour but d'analyser les questions et enjeux politico-sanitaires de la sous-région. La création de l'Organisation de la Santé de l'Afrique était au cœur de la réunion actuelle annuelle conjointe des ministres de la Santé de la SADC. Ces enjeux politico-sanitaires ont constitué les échanges entre les ministres de la Santé en charge du VIH, membres de la sous-région. Angèle Makombo, secrétaire exécutive adjointe chargée de l'intégration régionale de la SADC, fait le point sur l'importance de ce partage. Les ministres de la Santé et les ministres responsables de la lutte contre le VIH-Sida font le point de l'état de la situation justement de la santé en Afrique australe. Chaque État membre a fait des observations, des amendements, corrigé les chiffres que nous avons, nous, secrétariat de la SADC. Les ministres auront à prendre des décisions, à se prononcer sur des décisions, des projets de décision que nous, la SADC, nous leur présentons, que nous allons présenter pendant ces jours. Les experts vont travailler pour dégager des pistes de solutions idoines et durables afin de maîtriser les épidémies et autres maladies sur l'ensemble de la région.